Bonjour et bienvenue dans le premier tuto vidéo de la semaine d'Hightech.fr. Donc, comme vous avez pu le constater, depuis quelques semaines, on vous présente chaque semaine un petit tuto amusant et plutôt facile à faire. Et cette semaine, on va inaugurer les tutos en vidéo avec nos propres démonstrations pour vous montrer à quel point c'est assez facile de réaliser différents accessoires. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce sont des flocons de neige en forme de Star Wars, de tous les personnages ou des vaisseaux Star Wars. Donc ça pourra vous servir aussi bien pour votre prochaine soirée Star Wars ou bien pour Noël et même pour Halloween si jamais vous n'avez pas encore tout à fait finalisé votre décoration. Donc le principe est assez simple. Nous, on a trouvé des planches donc, qui ressemblent à ça en fait, qui sont sur des pages A4, qu'on a déjà préalablement découpé. Donc on a trouvé ça sur un site qui s'appelle anthonyherreradesigns.com. On vous redonnera l'adresse de toute façon dans le petit article qui va accompagner ce tuto vidéo. Donc voilà, donc vous avez bien une petite cinquantaine au moins de motifs différents. Donc on a tout, hein. On a du Yoda, R2-D2, Princesse Leia, des Ewoks, Chewbacca. Enfin vraiment, il y a de quoi faire toute la panoplie des personnages et des vaisseaux Star Wars. Donc comme je vous disais, on a découpé au préalable, nous, de notre feuille A4, ce cercle-ci et ce carré-là. Et alors ensuite, pour réaliser ce tuto, en plus de ces deux pages, vous aurez besoin d'un cutter, voilà, et d'une paire de ciseaux. Donc c'est vraiment, a priori, tout le monde a ça chez soi. Donc pas de souci pour réaliser cette opération. Donc, je vais vous montrer la démarche à suivre sur les deux formats. Donc, je commence par le carré. Donc, on va toujours garder la partie imprimée ici vers le haut. Je vais plier ma page en deux en suivant la ligne. Hop. Alors, on essaye de faire ça de la manière la plus précise pour que le rendu soit optimal ensuite. Donc voilà, j'ai plié dans ce sens-là, je redéplie, je vais plier dans l'autre sens, toujours en suivant bien la ligne. Voilà. Voilà. Donc je me retrouve maintenant avec un triangle. Je vais commencer par rabattre le côté droit, donc en dessous. Donc je plie. Voilà. On en est là. Je vais faire la même chose avec le côté gauche afin d'obtenir un carré. Voilà. Donc là, je me retrouve dans cette situation-là. J'ai plus qu'à rabattre la partie de droite sous la partie de gauche. Voilà. J'appuie bien sur les pliures. Voilà. Mon pliage est réalisé. Donc ensuite, la démarche est très très simple, vu qu'il suffit de découper les parties grises. C'est-à-dire que je vais commencer au ciseau. Voilà, donc là, je vais commencer au ciseau. Il y a des arrondis, hein, donc faites bien attention, faut bien suivre les formes. En fait, plus vous serez précis dans le découpage, plus le résultat sera vraiment joli, quoi. Donc voilà, donc là, je vais découper au ciseau. Ensuite, toutes les parties grisées qui se trouvent, voilà là, à l'intérieur, vous les voyez ici, ça se fera au cutter. Donc je vous conseille pardon, de prendre vraiment un cutter qui coupe très bien. Bien évidemment, de faire attention de ne pas vous couper parce que il y a quand même plusieurs épaisseurs de papier à découper. Donc il faut quelque chose qui coupe vraiment bien, qui soit précis. Surtout que vous voyez, parfois on a des tout petits points. Donc ça, les tout petits points, les petites astuces, c'est que vous pouvez les réaliser soit avec des grosses aiguilles ou des choses comme ça. Après, vous verrez que parmi les planches disponibles, il y a des modèles qui sont plus ou moins faciles à réaliser et d'autres comme ça avec des petits détails où il faudra vraiment être très très minutieux. Donc avant de continuer mon découpage, je vais vous montrer le pliage pour les ronds qui est légèrement différent. Donc je prends mon rond, toujours le symbole vers le haut. Je vais plier comme tout à l'heure le long de l'image. Voilà, dans ce sens-là. Je redéplie. Toujours comme tout à l'heure, je replie dans l'autre sens.
Voilà. Je replie dans l'autre sens. Je me retrouve donc avec ce demi-cercle. Je vais commencer par la droite. Donc, cette première partie, je vais la replier par-dessus. Voilà. On suit toujours le plus précisément possible les traits. Voilà. Ensuite, cette partie-ci, je vais la rabattre par le dessous. Hop. En dessous. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais faire la même chose du côté gauche. Donc je commence par rabattre au-dessus. Voilà. Puis en dessous. Voilà. Hop, je retourne. Donc voilà, donc il me reste que deux parties. Ma partie que je vais devoir découper et cette partie-là qui, très logiquement, va repasser en dessous. On appuie bien sur les tranches. Et voilà, donc on a ça. Comme pour celui-ci, vous allez découper les parties grises les plus grosses au ciseau et les plus détaillées au cutter. Donc je ne vais pas vous faire la démonstration du découpage ici parce que c'est vrai que c'est un petit peu long, c'est un petit peu fastidieux. On n'était pas forcément équipé du meilleur cutter pour le faire, mais le résultat est quand même assez sympathique. Avec, je vous laisse découvrir. Voilà, là on a un flocon à l'effigie de Dark Vador. Et ici, alors celui-là, c'était le premier essai. Je vous concède, il est un petit peu moins bien réussi. Je vous laisse deviner ce que c'est. Je vous donne juste un indice, c'est un véhicule. Et a priori, il manque des petits détails découpés un petit peu par-ci, par-là, parce que justement c'était assez compliqué de faire ça avec ce type de cutter. Donc voilà, donc en fait, vous avez pu constater que c'était assez simple. Le pliage est vraiment très simple. Le découpage après est parfois un petit peu laborieux parce que nous on n'était pas très très bien équipés. Mais chez vous, si vous avez un bon cutter, ça sera sans problème. Comptez une petite dizaine de minutes pour imprimer, pour plier et pour découper. Et vous voyez que derrière, ça peut faire des décorations assez originales. Après, vous pouvez bien évidemment imprimer sur du papier coloré pour faire des choses un petit peu plus sympathiques. Donc voilà, donc c'est vraiment, je vous rappelle qu'il y a tout un univers, hein, c'est vraiment tout l'univers Star Wars qui est disponible avec près d'une petite cinquantaine de planches, donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc voilà, donc c'était le premier tuto vidéo d'Hightech.fr. J'espère que vous avez réussi à suivre un petit peu les différentes étapes. Elles seront de toute façon résumées dans l'article qui va accompagner cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur Hightech.fr.